Et salut tout le monde, c'est MacLeon85. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 30 de Pokémon Platine. Yes, épisode 30, et pour l'épisode 30 en plus, une grande nouvelle qui vient d'arriver chez moi. Internet est revenu. Ça veut dire que ça va reposter là, aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui. Enfin peut-être pas aujourd'hui précisément, mais bon voilà. Là je suis content, l'internet est revenu, donc ça, voilà, je vais recommencer à poster des vidéos. J'étais bloqué à l'épisode 15 au moment où je vous parle. J'étais moins d'épisode à faire. Voilà, aujourd'hui, donc j'ai fait un peu de bugs 41. Et oui, Lucario a évolué. Enfin, Riolu a évolué. Yes. Donc là, rien n'a pris de spécial. Par contre, je viens de penser que je vais tout de suite foncer à Verchamp, car j'ai quelque chose à lui faire apprendre. Normalement, ça serait tellement cool. C'est une attaque que je kiffe. L'attaque de base, on va dire, de ce Pokémon aura. Hein. Ça donne déjà peut-être le début de l'attaque. Voilà. Ah, par contre, désolé pour le bruit de fond. Là, mon ordinateur s'est mis à cracher de l'air d'un seul coup. Là, au final, il souffre quand même malade. Je libère un peu pour essayer. Ça gêne pas. Alors, c'est parti, maître des capacités. Apprends-moi, aura sphère. Fibrosure, ah ouais, c'est bonnard ça aussi. Quoi, il l'a pas? Fibrosure, c'est super intéressant comme technique. Hein. Ah non, il l'apprend plus tard, ok, d'accord. Il vient juste d'évoluer pour information. Hein, donc, je viens juste de finir ma petite session farming, on va dire. Je viens juste de la finir. Donc là, je repars pour Vonogir au final. Et bien, on va tout de suite au lac Vérité. Lac Vérité, oui, parce que avant j'étais au lac Courage justement. On a arrêté la Team Galaxy, enfin on l'a pas tout à fait arrêté parce qu'ils ont eu le temps de capturer Krelf pendant ce temps. Et moi je dois aller aider Professeur Sorbier pour sa quête. Alors je garde Galopa parce qu'il va bientôt monter de niveau. Pourquoi j'aime bien Lucario? Parce que c'est un type c'est un type assis en fait. Ah, MacLeon, tu tombes à pic. Si vous voyez la Team Galaxy poursuivre les Pokémon légendaires, tu dois aider Aurore. Attaque-moi. Aïe, oui, doucement, repère. Aïe, wow. Oui, double comp. Allez, vous savez quoi? Pour le plaisir, je vais tenter de mettre Lucario devant. En plus, elle est bien fort là. Il est chaud patate. Est-ce que j'ai bien retiré par contre sur multi expérience? Oui, parce que j'ai envie quand même de bien partager. Fille, c'est la première fois. Ah non, c'est pas la première fois. Allez, go, je vais vous exploser. Voilà, parfait. Oh, bah c'est parfait, dites-moi. Ouah, Gradopo, tellement HL. Mais tu vas mourir. Forte pomme. Putain, le chat, ça va rien me faire. Hein, parce qu'un petit passé, ça fait pas mal, bon, par contre. J'ai pas compris ce qui était gris. Yes, le boss. Voilà, comme ça, lui, au moins, il me fera pas de mal. Oui, 41, c'est parfait. Et bluff, mais j'ai pas compris. Alors là, par contre, j'ai pas compris ce qui se passe. Normalement, bluff, ça met tout le temps, il a la trouille. Et là, ça l'a pas mis, donc j'ai pas compris. Mais enfin, bon. Hein, c'est toujours mieux, hein. De feu, vive attaque. Ouais, il a encore, j'ai gardé vive attaque, hein. C'est pas mal comme attaque, je trouve. Ouh, c'est raté. Là, écrasement et vive attaque, ça devrait faire l'affaire. Peut-être même juste vive attaque, non, même pas. Ça, tout le monde participe, ça fait toujours plaisir. Allez, au prochain, s'il vous plaît. Oui, niveau 33. Ah, il les rattrape rapidement, Lucario. Hein. Danse là. Oh. Alors, Lucario, il avait vive attaque contre forte peau et photocopie. J'oublie photocopie. Waouh, dans Slam, ça augmente considérablement l'attaque de 2. Enfin, x2, quoi. Waouh, le Pokémon. Tellement nul. Hop là, et forte paume. Ok. Je suis bien content d'avoir mon Lucario.
Non. Pouah, je... Ah non, je l'ai pas. Je crois que je l'ai... Allez, on l'a fini. Yes! Allez, donnez-moi votre heure, votre heure. C'est bon. D'ailleurs, on va regarder avec vous. Je vais regarder avec vous combien j'ai d'heures. Presque 400 000 Poké-Dollars. Waouh, je monte tellement vite. C'est parfait. Vous voyez, maintenant, l'heure, c'est plus ça qui me fait bizarre. Hein. Je fais tellement de combats, tellement que le cherche-vais, surtout. Hein, parce qu'il y en a qui me donnent 8000 à chaque fois que je leur fais. Pardon, j'adore la musique. C'est tellement classe. Charté. Fouette Malos. Ok. Alors, Malos, ça va être la cible de Lucario. Malos, tu as été choisi pour cible. Ici la voix. Déflagration. Yeah. Ça en fait un moins. Oh yeah. J'suis tellement fort, j'suis tellement fort, j'suis tellement fort. Parfait. Un moufouette, je peux rien à côté. Ah non. Oh. Oui, de toute façon, ça change rien. Alors, déflagration sur le Chaglam et forte pomme sur le Malos. Yeah. Les mecs qui sont Google, j'aime bien leur musique. Elle est tellement classe. Allez, XP. Non, pas de dope. Tellement nul. Ce visage, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Je parle des souliennes. J'ai eu pas mal d'ennuis après cet incident. Pourquoi tu fais cette tête? Tu ne te souviens pas? Bah, peu importe, je vais te rappeler qui je suis. Je suis Mars, un des commandants de Team Galaxy. Alors, vous nous faites quoi? Le joli petit groupe qui vient à la rescousse? Aucune chance, vous pouvez toujours rêver. Je vais vous donner 200. Pardon, je craque mes doigts. Parfait, j'ai géré, j'ai géré. Je voulais pas qu'il sorte son Chaglam maintenant. Déflagration. Je vais souffrir. Ça en fait un moins, par contre j'ai plus de déflagration, j'ai tout bouffé. Tout aussi ça fait mal, n'empêche, hein. Archeomia. Aïe 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 aïe. J'ai bien une cario, mais je le garde pour chaque game. Tout. Combien de temps de vidéo là, parce que là, je sais plus, 8 minutes peut-être, 10 minutes. Oh, j'ai pas regardé de gueule. Non, pas de up, ça serait cool, mais bon. J'affreux à moi, j'affreux Lucario et Chopchern. Sur le cœur, tellement beau. Quoi? Qu'est-ce que t'as le choc? Qu'est-ce que t'as le choc? Tu vas mourir? Oh, punaise. Attention. Attention, le cœur empêche la peur. Ah yes! C'est pour ça, c'est qu'il a attention. Ça permet de pas avoir la trouille. Yeah! C'est bon ça. Ouais, bon, si t'as tapé Citrus à chaque fois, ça ne te permettra pas de gagner cette fois-ci.
con, il s'est raté. J'aurais pas aimé. Normalement, ça devrait suffire. Non. Vive attaque. Taillou. Et oui, on a 7 niveaux d'écart et pourtant j'étais explosé. Yeah. C'est bon ça. Ouais, l'histoire se répète une fois de plus comme tu viens de dire. Emmanuel, la vérité, je suis quand même le commandant Mars, quoi, zut. Calme-toi Mars, calme-toi, tu as rempli ta mission, le Pokémon Zek a été transporté au QG. Mais oui, je m'en fiche, la mission est un succès total. Allez, on y va. Allez, on y va, Pokémon des trois lacs, grâce à l'action de Saturne, du lac Courage, une caverne est apparue ici. C'était la tanière du Pokémon Créfollet. Quand Créfollet est apparu pour aider ses amis, nous l'avons attrapé. Ça n'a pas été bien dur, tout a marché comme sur des roulettes. Maintenant, nous les avons tous. Créfade être de monsieur, Créfade être de la volonté, Créfade être du savoir. Maintenant qu'ils sont à nous, la Team Galaxy va pouvoir mettre son plan à exécution. Ça sera pas dans cet épisode, pas du tout. Hein. Je vois, il est arrivé à une chose que la courage. Notre Pokémon Général a été capturé par la Team Galaxy. Vous êtes tous les deux mesurés à des vrais criminels. Vous êtes servis sauf si c'est le principal. Mais qu'en est-il du lac savoir? Est-ce qu'Enzo va venir? Bon, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Faut que j'y aille. Merci, Pépé. Hein? Ben enfonce à Celestia. Alors. Là, j'ai un problème qui se pose. Il va falloir que je retire un Pokémon de ma liste. Pourquoi? Car en fait, ben, je vais falloir que je prenne Musteflotte pour pouvoir aller à Frame Peak. Parce que j'ai besoin de force. Parce que Musteflotte peut apprendre force, hein, bien sûr. Il est assez fort pour ça. J'espère qu'il pourra prendre escalade aussi, comme ça. Parfait. J'aurai un Pokémon pour avoir les 4 techniques que je ne savais pas à quel mettre. Alors, voilà. À qui que je vais devoir laisser? Torterra, j'en ai besoin, ça c'est sûr. Et Tauraptor, faut que je le garde au cas où. C'est entre Luxray ou Karmash. Parce que Lucario, je le garde. Hein. Faut qu'il XP. À moins que je le pux plus tard. Non, j'en ai besoin. J'en ai besoin aussi pour l'arène parce que voilà, si je pourrais utiliser mes attaques type combat. Bon, bah, c'est soit Karmash, soit Luxray. Luxray, Karmash, Karmash, Luxray. C'est tellement dur le choix. Ah putain, là c'est chaud là quand même. Là, je peux vous dire, là c'est super compliqué. Luxray, Karmash, Luxray. Ça ne fait rien. Karmash il pourrait attaquer, mais Luxray lui. Ah non, Karmash justement, non! Les types glace, ça va lui faire super mal. Ah ouais, bah en fait, non, c'est bon. J'ai trouvé Karmash. Désolé, Karmash. Je t'en prendrai plus tard, je t'explorerai. Hop là, je retire Musteflotte. Ah, ça pourrait maintenant. De toute façon, après la dernière arène, ça sera Galopa qui partira. Pour l'instant, Galopa, j'en ai énormément besoin. Donc, je dois le garder. Allez. Ah, il faut peut-être que je lève une force. Quand il a intérêt à pouvoir la prendre, sinon je promets, je l'explose. Normalement tout le monde peut l'apprendre sauf le Pokémon de type vol, c'est ça. Hâte, allez, au revoir. Ensuite sur escalade à lui faire apprendre. Et cascade. 99 HP, waouh, Lucario tellement fort. Allez. On y va, on passe par là, comme ça, pas besoin de passer par les... Alors ça fait 10 minutes hein, je pense. Oh, je l'ai pas fait celui-là. Ah si, je l'ai fait. Ouais, c'est vraiment fort. Ça c'est bien gentil de ta part mon cher. Et bienvenue au Mont Couronné. La première fois, ah non, la deuxième fois que j'y vais. Et voilà, c'est cette pierre là avant que je ne pouvais pas pousser. Maintenant je peux. C'est moi qui le pousse hein, vous inquiétez pas. Tellement puissant. Non. Ah bon, je remettais mon casque. Ouais, ils sont tellement nuls, les Pokémon, tellement nuls. J'ai un moteur envie de l'attaquer celui-là. Non. Pas de perte de PP pour rien parce qu'après, il va en avoir besoin. Sans courir, hein. Tranquillou, tranquillou. Oh, oh, et oui, le brouillard est ici. On y retournera
après la reine de Frimapic et après avoir combattu la Team Galaxy dans leur base, dans cette grotte. Alors, on y retournera aussi ici pour capturer Barpo, hein. Je vous annonce voilà, tout ce qu'on fera à peu près. Oui, ça sert à rien. Vous voyez, Ekatrox, ça sert vraiment juste pour aller chercher des Pokéballs, quoi, maintenant. Ekatrox, j'en aurais plus jamais besoin. Si je veux pas aller chercher des Pokéballs, ni aller affronter des dresseurs cachés. D'ailleurs, c'est ce que je ferai très souvent. Alors, je continue. Je reste pas souvent dans la grotte, j'aime pas trop ça. Allez. Alors ici, c'est pour un... C'est comme dans le livre de fer. C'est pour un Pokémon... C'est pour Regice. Si vous avez Regigigas, vous venez ici. Hop là, vous pouvez prendre Regice. Et Regirock... Ah non, c'est peut-être Regirock ici, justement. Registil, île de fer et Regice, ça va être précis. Et bienvenue sur la route 216, il fait neige, waouh, je parle tellement bien. Non, il neige, donc voilà, donc je peux pas courir dans les zones où c'est aplati. Bon ben voilà, c'est parti. Donc qui dit neige, qui dit Pokémon de type neige. C'est un taux de pression encore, hein. Alors, je tiens à vous le dire, donc je sais pas si vous avez vu, dans Pokémon version Perle, notre dresseur à nous a des manches courtes. Voilà, ok. Mais le problème en fait, c'est que bah, justement, il a les manches courtes. Oh putain, d'un côté, je pense que je suis dans la merde. Donc oui, il a les manches courtes et il va quand même dans la neige avec les manches courtes. Il a pas un habit spécial pour, voilà quoi. Non mais c'est pas vrai, c'est un peu débile. Oh la grêle, tellement classe. Je vais prendre tellement cher à la prochaine attaque. Wouah, je suis cheaté. Soit... Aïe, 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 ça va faire mal. Ça va faire mal. Moi, je suis tué. Parce que là, ça tape deux fois. Et merde. Je me souviens qu'escalade, je l'avais fait appris à mon simier bras quand j'avais avant, quand je jouais tout seul. C'était du grand n'importe quoi. J'avais bouffé une attaque pour rien, quoi. J'étais tellement dégoûté. Allez, meurs. Yes. J'aime Capitex. Allez, donne-moi ton XP. Yeah. Allez, allez, on continue. Aïe. Porygonde. Nouveau Pokémon, ça fait plaisir. C'est déjà Porygon Z. D'ailleurs, ça fait bizarre le nom. Porygon 2, c'est tellement moche. Allez, dans Slam. Première fois que j'ai fait une augmente de stats, hein, ce qui sera très rare de ma part. Et puis ça n'a qu'un effet presque, parce que je suis de type acier, yeah. Oh, ça par contre c'est bâtard. Ok. Attention. Hier, fais-toi frapper, c'est ça. Forte pomme. Putain. Oh. J'ai cheaté, putain. Pardon, désolé, mais là je suis énervé, là ça m'énerve ça. Moi, je suis pas obligé de me pisser en confusion comme par hasard. J'arrive, je me blesse tout le temps là ces derniers temps. C'est cheaté ça. C'est cheaté. Ok, it's your turn. Luxray. Luxray, vas-y, attends. Tu... Super secte. Ça me paralyse pas. Yes. Putain, il fait bien mal quand même son Porygon 2. Gros éclair. Alors vous inquiétez pas, ici dans la neige, la route est un peu longue, hein. Je sais pas si vous avez vu sur la carte. Oui, la grève va le finir. Putain, mais non.
quoi. Ah non, ça m'énerve ça. Je déteste soin. Putain. Il balaise sur la jeu du peuple. Putain. Normalement il a. Normalement il devrait mettre un moyen pour qu'on puisse pas l'utiliser un certain nombre de fois quoi. Je crois d'ailleurs que ça existe. Non ça existe pas, on peut utiliser autant de fois qu'on veut tant que ce Pokémon n'a pas récupéré toutes ses vies, bah il peut utiliser. Mais c'est très bien, j'ai compris pourquoi il fait ça. Mais putain. Ok d'accord. Toi t'as cherché la merde. De toute façon il gagne plus, il gagne quelques HP à peu près à chaque fois. Donc au final, là ça va faire mal. J'utilise deux fois, ça dépend ce qu'il utilise. Putain mais oh c'est cheaté cette technique, punaise. Ça leur donne la moitié des vies à chaque fois, à chaque fois c'est 50% des vies. Oh là mon gars tu vas mourir. Plus ton rayon signal là il va avoir aucun effet sur moi. Aussi une critique comme de par hasard, mais là tu vas souffrir, là il va souffrir. Bim, yes. Et oui, parce que mon chargeur en fait augmente augmente la puissance de ma prochaine attaque. Et plus j'utilise et plus mon attaque sera puissante. La preuve, je l'ai littéralement explosé. Ouais, il est un petit peu intelligent le mec, mais bon, tu m'as bien fait chier quand même. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des endroits en fait où la neige est plus basse et donc je ne peux pas courir. Putain, comment je fais moi pour passer mon eau. Je voudrais éviter de faire le combat, justement, je dois aller carrer mes Pokémon, s'il te plaît. Respect, respect. Rappel. Yes. Vous voyez, de toute façon, je vous avais dit, hein, le niveau des dresseurs augmente considérablement, puisqu'il n'y a que des top dresseurs maintenant. Bon, bah, ça va être Torterra. J'utilise un rappel. Il faut bien qu'ils XP un peu, hein. Surtout Lucario là qui a beaucoup de retard. J'ai des super bonbons mais je vais pas en utiliser. Je trouve ça de la triche. Surtout en plus quand ils vont bientôt up hein, parce que ça le met ensuite au minimum. Ça donne juste l'XP qu'il faut. Parfait, 50 c'est pis ce qu'il faut. Et aussi ça aurait fallu. Je vais essayer. Je suis skippé, j'ai tout préparé. C'est quand tu boiras. Ok, c'est tout de suite. Parfait, j'ai géré. Par contre, j'ai du retard sur le niveau. Ouais, j'ai du retard sur le niveau. Je sais que je suis à niveau 42, mais bon, voilà, j'avais tellement envie de continuer l'aventure que j'y suis allé. Les Deflagration. Meurs. Si tu veux, c'est une perte de temps pour toi. En plus, c'est que l'esquive. Wouah ! Ça sert strictement à rien. Là, c'est ça. Écrasement suffira pour te finir. Et voilà. Content de t'avoir connu.
Bah non, 1000 points d'expérience, ça va, pour moi, ça va plus rien être. Hein. Voilà, vous voyez, ça me donne presque plus rien maintenant. Maintenant, on va falloir que j'aille dans les 2000 points d'expérience pour que je commence à me dire, voilà quoi. Ça me donne beaucoup. Alors voilà, ici, c'est un chalet. Ce sera pas dans cet épisode qu'on arrivera. Là, bah, je n'ai pas d'isogresse comme certains Pokémon. Alors je dois bien me couvrir pour ne pas attraper froid. Au fait, tu connais Gravity. Il divise par deux les dégâts affichés par les... Ouh, intéressant ça. Salut, Skaven a connu des jours meilleurs, mais fais comme chez toi, tu peux te reposer un moment. Tu veux te reposer un moment, putain. Normalement, j'ai juste à mettre celui dans le lit. Voilà, oui. Je peux faire un mettre dedans, ça fait plus classe. Oh, il m'attaque même pas, il sort pas de son coin lui. Insociable. Ce serait cool, n'empêche, d'avoir des skis comme lui, vous voyez, pour accélérer comme des malades. Ça serait super intelligent. Ça aurait été super intelligent de leur part. Voilà, j'ai fait exprès de mettre galop devant parce que je sais très bien que les skieurs ont tous des types glace. Type glace. Là, je sais que je t'explose la gueule. Voilà. D'ailleurs, je pourrais même mettre. Ouais. Hop là, meurté. 1100 de points d'expérience. Voilà, ça donne rien du tout maintenant. Là, il me faut à peu près 7000 points d'expérience pour. Hop, quoi. Donc 7 Pokémon. 7 combats Pokémon. Donc, voilà, c'est plus intéressant du tout hein, pour moi maintenant. Wow. Je vais changer un peu, hein. Torterra, à toi de jouer. Missimim. Parfait, j'ai morsure. Là, je voudrais bien qu'il apprenne ma chouille, mon Torterra, ça serait cool. Un Pokémon 1-3, d'accord. Je me demandais aussi pourquoi c'est aussi faible. Là, il y en a un qui perd la vie et moi aussi. Donc voilà, donc l'équipe que j'ai là, enfin sauf Musteflotte, donc c'est à dire que Karmash avec moi, ça sera mon équipe finale. Ce sera l'équipe que je garderai, donc pas pour la ligue Pokémon, hein, parce que Galoupa, je le retirerai pour prendre Giratina, parce que voilà, il est puissant, il a plein d'HP. Je vois pas pourquoi j'en profiterai pas. Mais voilà, ouh, bientôt la fin d'épisode, ça passe vite, ça passe vite. Juste après, je fais épisode 31. Donc au final au fond pour moi voilà, je continue la voiture. Normalement je serai arrivé à Frimapic, je l'espère bien. Et pour l'épisode 32, bien on fera l'arène. Non, logique, si tout se passe bien, ça devrait se passer comme ça. Fraps me l'avait pas fait ce coup là depuis un petit moment. Ça me fait plaisir que tu es toujours là au moins, ça prouve que tu filmes bien. Allez, arrive au pic pour te finir. C'est que maintenant voilà, ça devient plus intéressant. XP ici. Ah, je suis Terraclope type spectre. Torterra. Attends, 1700. Ok, ça va être luxré. Il va falloir qu'il le possède. Alors sa pression, ça c'est trop chiant, ça utilise 2 PP au lieu d'en utiliser. Je déteste cette... Quoi? C'est super efficace, t'appelles ça toi? Ah d'accord, maintenant je comprends pourquoi. J'avais oublié la protection. On est parti, c'est bon. Tellement moche, Terraclope. Comme je suis méchant, quoi. Allez, meurt. Hier, c'est tellement plus puissant maintenant. Oh, j'aurais pas aimé, c'est cheaté.
finir par une petite attaque bâtard et étincelle. Tchou. Voilà. Tada. Ouais, je vais avancer un peu plus loin parce qu'ici j'aime pas rester dans les herbes. Preuve, j'aime pas me faire attaquer comme ça, hein. Alors, pour remarquer si c'est une femelle ou un mâle, on peut le savoir d'avance, c'est la feuille qu'il a, la feuille rouge qu'il a. Sur son. Enfin la feuille rouge qui fait son oreille. Enfin j'appelle ça une feuille, hein. Plus, quand elle est grande, c'est un mâle, quand elle est petite, c'est une femelle. Voilà, pourquoi je sais pas, je peux pas vous dire. Quoi? C'est sérieux là, je peux pas fuir alors que j'ai quand même deux niveaux d'avance et puis ouais, c'est vrai que t'es peut-être plus rapide que moi, mais bon. Merde. C'est pas exagéré. Merci. Voilà. Je vais être en hauteur, merci. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé l'épisode 30. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 31. On va partir donc pour la fin de cette route 216. Route 216. Pour arriver à Frimapic. Donc je vous dis à la prochaine pour le 131. Allez, salut tout le monde.